Bonjour à vous tous. Marie Rivière et l'ouverture au monde. Nous sommes arrivés à la dernière méditation de cette semaine. Méditation à partir de la vie de Marie Rivière, fondatrice de notre collège. Une grande amie de Jésus. L'Église l'a proclamée bienheureuse le 23 mai 1982. Elle disait à ses sœurs, « Tant qu'il y aura un coin de terre où Jésus-Christ n'est pas connu et aimé, nous ne saurions rester en repos. Oui, un jour mes filles traverseront les mers. » Saint Jean écrit, « Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons pour que notre joie soit parfaite. Choisissons la vie. Il est bien question d'une grande joie à partager, celle de se savoir passionnément aimé par Dieu. Un Dieu tout amour qui veut se donner à travers chacun de nous. Collégiens, aujourd'hui, nous lui prêtons notre voix pour que résonne son message. Dieu est amour. Cet amour qui se fait respect les uns des autres. Attention, pardon, entraide. Que nous essayons de vivre dans nos classes, nous découvrons qu'il est un cadeau de Dieu. Il se renouvelle en nous si nous l'accueillons à travers sa parole et ses sacrements. Si tu veux, nous dit Jésus. Certains parmi nous ne sont pas baptisés. D'autres sont en chemin vers le baptême. D'autres sont de religions différentes ou sans religion et certains sont baptisés. Ont fait leur première communion et sont en route vers la profession de foi et la confirmation. Nos parcours sont différents, mais en regardant Jésus dans l'Évangile, nous le voyons s'approcher de tous les hommes. Il porte sur eux un regard d'amour. Il va même chez eux. N'a-t-il pas guéri l'esclave du soldat romain sur sa demande? Jésus ne demande rien en contrepartie. Il fait cela gratuitement. Faire le bien autour de nous, gratuitement, c'est cela qui nous est demandé à la suite de Jésus. Aujourd'hui, les sœurs de la présentation de Marie continuent l'œuvre de Marie Rivière avec beaucoup de collaborateurs laïcs en France et dans 18 autres pays sur 4 continents. En 2016, nous fêterons les 200 ans de la venue des sœurs à Sorgues, la fondation de notre école. Nous sommes dans l'action de grâce que de générations ont pu entendre le message de Jésus et l'accueillir dans leur vie. Si tu veux, nous voulons vivre avec passion nos années au collège et en profiter pour nous ouvrir aux autres cultures et pays où sont parties les sœurs, en choisissant de servir le bien. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée et toutes celles que tu nous offres. Merci Seigneur pour le don de la vie, pour ta création. Aide-nous à vivre dans l'ouverture et le partage avec nos frères et sœurs en humanité.